Pour ceux qui se demandaient comment j'ai fait pour refaire mon joint de quille, ici. Restez là. Donc, prochaine étape. Bon matin. 25 septembre 2021. Fait que là, on va attaquer toute la partie sous l'eau extérieure. Il y a déjà eu 3 couches d'Interprotec sur ce bateau-là. On va aller chercher l'Interprotec. On va tout peut-être en remettre un autre 3 couches, on verra. Mais, entre-temps, il y a des petites places à réparer. Comme ici, là, on avait passé au travers avec la barre à clous, mais là, je suis allé chercher tout ce qui était craqué. Il va falloir faire de la fibre. Puis, ici, on appelle le sourire que toutes les CNC font. J'avais essayé de réparer ça. Mais à cause de l'intérieur, la structure qui était spongieuse, ça avait recraqué. Fait que là, tant qu'à repatcher ça, puis espérer que ça coule pas, ben, on va refaire le joint de quille au complet. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? On va essayer de la poussière un peu, mais... Fait que je suis allé chercher, je sais pas si vous voyez. Attends un peu, on va changer de... Bon, oh, c'est pas mieux, non. Fait qu'ici, là, c'est le joint entre la quille de plomb puis la coque. Fait qu'on est allé chercher cette petite ligne-là tout le tour. Et puis ici, qu'est-ce qui est spécial? On voit ici, ça a recraqué, là. C'est que j'ai ça a craqué, ici, un genre de 1/4 pouce plus haut que la quille. Et ici, là, il y a eu un genre de réparation, je sais pas quoi. En tout cas, on va tout aller chercher ça. Fait que là, j'ai slaqué mes boulons de quille de 3/4 pouce à l'intérieur. Puis là, on va se servir des pattes. J'ai 10 pattes. Puis on va essayer de décoller ça. De 3/4 pouces. Fait que, hein, on va se mettre à visser nos pattes. Voir si on arrive à quelque chose. À plus. Bon, ben, on a un genre de crack. Hey, on voit l'autre bord. Fait que, oh, on entend même. Je sais pas si vous l'avez entendu. Ça travaille. Là, on a soulevé la quille avec les pattes. Fait que là, présentement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pattes. On en a rajouté ici, une en arrière. Et puis, on a soulevé la quille. On était capable de bouger la quille un peu, juste à peine frotter sur le madrier qui est là en dessous. Et puis là, on a commencé à avoir un joint en arrière là. Mais ici, c'était bien collé. Fait qu'on est allé à l'intérieur. On a cogné avec un madrier de bois et une masse sur les boulons. Ça n'avait pas fait grand-chose. Puis là, c'est en mettant plusieurs... Ici, là, c'est des bardeaux de cèdre, là. On a commencé par en arrière. Ici, on s'est forcé une entrée, ici, là. Ça a fait une petite bosse dans le plomb, mais rien de vraiment important. Et puis, on a réussi à décoller. Là, la quille s'est rassis sur le madrier. Donc, on va revisser nos pattes. Et on va voir si on est capable d'avoir un espace suffisamment pour aller tout nettoyer
puis remettre du silicone 5200 là-dedans. À plus. Bon, ben, il est 4 heures de l'après-midi. La journée achève. En arrière, tout est beau. Les boulons viennent s'accoter. Mais en avant, ça veut pas bouger. Fait que là, j'ai utilisé la technique égyptienne pour casser des roches avec des petits wedges de bois, tout en ligne, du bardeau de cèdre. Fait que lui, il est lousse. J'ai un boulon ici, hein? On le voit-tu? Lui, il est lousse, ça bouge pas. Lui, il a bougé à peine. Lui, ça n'a pas de l'air d'y tenter pantoute. Puis j'ai la petite 5-8 en avant ici. Un autre boulon. Ça n'a pas l'air d'y tenter pantoute. Bon, ben, j'arrive à un moment crucial. Ici, ma lame de César passe juste ici, là, dans la craque qu'il y a là. Puis en arrière, même affaire, genre, mais peut-être un petit peu plus, là, mais on va dire qu'à partir de 3 pouces de la fin, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jeu. Fait que là, il va me rester à passer ce coup de lame-là à grandeur. Puis après ça, je vais le laisser torquer comme pour de bon, sans mettre de silicone. Ah ben, tranquillement, on y arrive. Ici, j'ai un petit peu plus que là. Et ici, tu fais mon joint, on voit tout le tour. Puis à la fin complètement, j'ai légèrement plus. Fait que un autre couple d'heures à gosser, on devrait avoir de quoi de pas payer. Demain matin, on va coller cette quille-là. Fait que là, mon fit, il est parfait. Fait que on voit aucun jour. Qu'est-ce que j'ai fini par faire? C'est parce que j'avais pas un beau fit parce que... Oh! J'ai vu un petit jour, hein? L'avez-vous vu avec moi? Ouais, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai fini par faire? C'est parce que proche des boulons, j'avais peur avec ma scie va-et-vient de couper les boulons. Fait que j'y allais plus tranquillement, tu sais. Fait que qu'est-ce qui arrivait, c'est que sur le bord du boulon, ça remontait. Fait que quand je torquais la quille comme faux, j'avais un jeu. Mais ce que j'ai fini par faire, c'est prendre une vice grip avec une lame de scie à va-et-vient. Puis j'étais allé chercher jusqu'à proche des boulons pour venir avoir le perfect fit. C'est pas parfait, mais je pense pas que ça peut être mieux que ça. En tout cas, à mon avis. Fait que là, demain, on slack ça. On se garde un bon un pouce, pouce et demi. On nettoie tout ça avec du solvant. Et puis, on met du 3M5200 à grandeur. Puis on retorque ça, parce que demain, il annonce 20 degrés. Fait que, en espérant que ça va sécher comme faut avec cette température-là. Fait que, on s'en reparle. Donc là, c'est la journée décisive. La journée importante. J'ai baissé la quille à son maximum. Mon fit est à mon goût. Je ne pouvais pas baisser bien plus parce que je voulais garder quand même une coupe de filet sur les boulons à l'intérieur. Donc là, je fais un petit nettoyage à sec pour le moment.
Bon, ben là, on va faire l'acétone. Donc là, on est rendu à mettre ...3M5200. Ça, c'est le permanent. Et puis, c'est quand même assez dur quand ça sèche. On installe ça. Il ne faut pas qu'il fasse en bas de 10 degrés Celsius. Fait qu'aujourd'hui, on est correct. J'aurais aimé ça avoir plus d'espace pour pouvoir faire un genre de truelle. Mais là, je pense que je vais être obligé de passer un petit morceau de bois. Si je m'en trouve impropre. Hein, pour pouvoir passer, faire une couche qui est assez uniforme. J'ai bien hâte de voir comment ça va aller. J'espère pas trop sacré. Hein, espérons. Donc, là, je suis rendu à finaliser l'application du produit. Et puis, ce que j'ai trouvé de plus facile, comme là, ici, je vais tasser un petit peu bois. J'en viens avec mon petit bardeau de sel. J'accote ça au plafond. Égalise. Là, ben, ça a l'air vraiment pas pire. Là, ça a l'air qu'il faut pas que tu l'accordes 100%. Alors, tu lui donnes une petite affaire, puis après ça, tu retêtes ça. Okay. Fait que là, c'est pour ça que j'ai mis une lame de scie en avant et en arrière, tu vois-tu? Ok, puis ça arrête là? Ouais. Ok, parfait. Là, elle est pas mal égale. Ah, elle est un petit peu plus écartillée en arrière. Là. Fait que tu vas quoi donner des tours égales partout? Moi, je fais des quarts de tour, mais je vais essayer de la mettre égale. Ok. Là, je sais pas si on va être capable de se parler, mais. Ben, sûrement là, si on parle fort. Ok. Ça monte! M'entends-tu, Christian? Oui! Ok! Oui. J'ai vu ça monter, ça monte pas mal droite, hein, pareil!
Ouais, monte donc, ouais. OK. OK, en avant, à cette heure, plus en avant. Les finir les à côté. Ah ouais, ouais, ça a sorti égal partout. Ah, les lames sont là? Ah non, non, sont à côté. Ah, c'est pas mal égal. En arrière, tu pourrais être à côté. Tu peux, viens voir. Tu vois, c'est pas mal égal partout. Oui, ça allait écraser égal en même temps, là, vraiment, là. Ça a-tu fait des pets? Ouais. Des pets d'air? Ouais. Ça a sorti un peu. Mais c'est sûr qu'on essaie d'en avoir le moins possible. Ouais. Ben, c'est sûr que de même, là, il n'y a jamais d'eau courante. On voit s'il y avait des petites bulles d'air, là, mais c'est pas extrême. Là. Non, non, non. C'est normal que ça sorte. Ne, d'après moi, il n'a plus la façon que ça a demandé de chaque bord. Là. On aurait pu mettre ça bien égal. Là, avec une belle truelle, il y aurait eu des bulles d'air, pareil. Ben oui. Oui, ça sortait égal, là, tu sais, ça a écrasé égal. Là. Ça a pas, tu sais, toute la coque a levé la guille dans le fond, puis ça a pas craqué, ça a pas travaillé. Tu sais, j'ai pas senti quand le bord, c'est vraiment. Ouais, ouais, ben, c'était du solide. Là, on ça le fait. On est solide. Ah, ouais, tu sais, ça a pas rien travaillé, rien, là. Vraiment, là. Parce que tout là, qui est le coup, c'est sûr que les varames sont de même, là. Ouais. Mais. Ah, puis t'as même enlevé le morceau de bois tout, là, elle tient vraiment. Tout est bon. 7 jours, ça sert. 7 jours avant que ça soit sec. Ok. On va enlever une puissure, là. Ouais. Bah, tu le laisses de même, là, puis tu coupe à la lame là. Ah peut-être, hein? Quand il est sec. Parce que tu vas tout beurrer. Tu vas tout voir puis tu vas tirer. Là. Moi je laisse durcir de même. Ah, t'as raison. Puis même si tu essaies de le rétendre, c'est pire, tu vas creuser. Ah ouais, tout va venir. Tout va venir. Ouais. Quand même, hein? Hey, merci beaucoup. Ouais, juste pour vous dire avant de terminer la vidéo, merci pour ceux qui ont de l'intérêt pour cette vidéo-là. Vous pourriez me faire un beau petit like ou partager. Puis si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Que je vais faire des petites vidéos de même de temps en temps. Et que vous pouvez regarder aussi les anciennes vidéos. Une 25, je suis rendu à peu près là, d'épisodes. Et que à bientôt.